va être le 8e film que vous allez voir, Full Crossing. C'est un film d'animation de Nancy Snipper. Alors, please come and join me. On a la chance de l'avoir avec nous ce soir. Alors, on va vous présenter son film. C'est un film d'animation. En fait, nice to see you again. Merci. Nancy, j'ai déjà eu la chance de présenter un film d'animation, Typic Tango. Son premier film d'animation il y a quelques années. Et là, elle nous revient avec un autre film qui a beaucoup circulé dans les festivals et a gagné, quoi, je crois, plus de 40 prix à peu près. Beaucoup circulé dans les festivals. Et vous allez voir, c'est un film drôle, mais qui dénonce les choses graves telles que la discrimination et le racisme. C'est très bien amené. Et ben, félicitations pour ce film. Je suis très contente de le présenter en première canadienne, d'ailleurs, ce soir. Merci de nous l'avoir confié. Et puis, ben, Nancy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Nancy est multi-talentueuse. C'est une écrivaine, romancière, musicienne, pianiste aussi. Puis c'est son deuxième film d'animation. You can take the microphone if you want. C'est son deuxième film d'animation, mais tu n'as jamais étudié en animation. Mais le premier film, Typic Tango, elle faisait danser les téléphones à pièces du métro de Montréal. Puis là, elle nous emmène dans un film où, ben, est-ce que tu veux nous faire le synopsis de ton film qui met en scène des oiseaux? Full Crossing ou Tappy Tappy? Bonjour tout le monde, merci. Je veux remercier Daya pour m'avoir invitée et vraiment présenter mon film Full Crossing sur le grand écran. Merci Daya. Elle, Cindy Verdon, bien sûr. Bon, Full Crossing, ça a fallu beaucoup de temps pour le faire. C'était un film très court, seulement 5 minutes, mais très détaillé. Il s'agit des oiseaux qui essaient d'entrer dans une paix, mais ils sont restricted par deux gardes qui sont les gardes d'une paix fictitious. Mais si vous regardez le nom de ce pays, vous allez voir que ça ressemble un petit peu aux États-Unis. On a fait le film pendant l'administration de Donald Trump, à vrai dire. Ce qui arrive dans le monde récemment, c'est vraiment un film, je crois, très, très profondément pertinent. Alors, Daya a raison, c'est un film, j'espère, très funny, mais sur un topic vraiment important. Moi, je pense que la préjuge, le racisme, les discriminations est partout du monde. Même si on ne veut pas admettre que nous avons même nos propres préjuges. J'étais professeure des immigrants de partout du monde et j'ai entendu beaucoup, beaucoup de leur histoire triste. Mais aussi, j'étais témoin de beaucoup de préjuges, même dans l'école où j'ai enseigné. Alors, bon cinéma, et si vous avez des questions. Oh, yeah. Je suis à la recherche d'un 2D animator. Si quelqu'un ici a le talent de faire une petite animation, on travaille sur un autre film maintenant. Je veux discuter juste un petit peu de Full Crossing. Vous allez voir que l'animateur qui a fait le film, the person who did the animation, on a fait tout ça remotely parce qu'il vit au Mexique. Alors, c'était vraiment beaucoup de Zoom meetings, beaucoup de détails, beaucoup de discussions. Alors, il était vraiment un genius parce qu'à cause de lui, vraiment, le film a été fait. Mais aussi, a Brazilian man did some of the illustrations and a local Concordia graduate did the storyboard. And I didn't have enough money to. Je n'ai eu pas assez d'argent pour payer des acteurs professionnels. Alors moi, j'ai fait les voix dans le film, le piano dans le film, et quoi d'autre? Oh yeah, la chanson dans le film. Cette chanson que vous allez entendre, c'est seulement le troisième vers. Et il y a plus de vers qui s'appellent. La chanson s'appelle Be You. And about 100,000 years ago, this film, my song, was performed to a full orchestra in Toronto. I didn't even know that. So I think it's really important with bullying and everything that we all be ourselves without prejudice. Thanks so much for listening to me. Merci pour m'avoir écouté. Je m'excuse pour français. Thanks, Daya.
Ben, merci beaucoup.